Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. On se retrouve aujourd'hui concernant un mode qui refait son apparition sur Call of Duty Black Ops Cold War, le mode tournoi. Pour ceux qui ne sauraient pas le mode tournoi, qu'est-ce donc? En gros, pour vous la faire simple, c'est des équipes de deux qui s'affrontent. Il y a d'abord la huitième de finale, la quart de finale, la demi-finale et la finale. Les armes sont aléatoires pour chaque deux manches et il faut arriver à 6 points avec ton équipe. En gros, c'est le même système de tournoi qu'on a eu sur Call of Duty Modern Warfare. Et évidemment, par rapport à Modern Warfare, il y a d'autres récompenses. En l'occurrence, des variantes d'armes que je vais vous montrer en fin de vidéo. Si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification. Et surtout, n'hésite pas à bombarder la barre de like si ça te fait plaisir que je te montre autre chose que des gameplays nucléaires, évidemment, autre chose que de la domination. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et vous allez vous rendre compte que je ne suis toujours pas sur mon compte, mais que je suis sur un autre compte, le compte d'un de mes modes modérateur sur Twitch, que je remercie énormément. Et n'oubliez pas également de me follow sur Twitch, twitch.tv/loctetetout, tous les jours en live à partir de 8h le matin. Oh, ça commence là. Oh là là, les armes. 4. C'est sur moi. Un mort. Ah, t'es à gauche. Je savais, one. Bien joué. Bah, les deux étaient sur moi, donc c'était un peu compliqué. Oui. Oh mais mec, c'est juste horrible, cet XM4. Gros, c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Ah bah non, en vrai, je l'aime bien. Moi, je la déteste, vraiment. C'est vous. Ah, derrière le canon rouge. Ouais, bon... Allez. Ah, je déteste franchement ce viseur, il est horrible. Oh non, mais mec, ils font vraiment aucun effort vraiment sur les viseurs. Il y a aucun effort de la part là de Treyarch. Il est où? Il est one shot. Sur le point. Je l'entends marcher, ouais. Touché. Let's go. La voix du jeu qui fait ne soyez pas trop confiant. Ah. Je lui dis déjà donne-moi des meilleurs trucs et puis après on parlera de confiance en fait. Il est où? Il est sur ma droite. Ah ouais, la gueule qu'il a quand même, je l'ai touché un peu hein. Fais gaffe. Ah, le fils, je t'ai pas vu. Non, mais c'est incroyable comment il joue aussi, je veux dire. Ce viseur est nul. Enfin, on est trop con d'aller le rusher aussi. Il prend la Milano aussi. Je l'ai pas entendu, il est derrière toi. Ouais, et le deuxième, tu l'as vu ou pas? Non, le deuxième, j'ai pas d'info. Let's go. Bien joué. Ouais, je l'ai vu un tout petit peu là. Bon, bah, c'est reparti. Ils avaient gagné 6-0 eux avant. Hein. Un touché. Un mort. Il est où le deuxième? Il était sur ma gauche. Ouais, il est en bas. Il est en bas de moi. Touché, il est en bas de moi. Mort. GG mec. Extrême droite encore. Putain. J'aurais dû attendre, je suis trop con. J'ai jamais entendu passer par derrière, mais tranquille. Putain, mec, on va commencer à se concentrer là. Hein. Ouais, mais j'ai... Faut qu'on arrête les. C'est... Faut qu'on se reprenne en main là. Deux sur la gauche. Les deux sur la gauche. Un mort. Let's go. Ça va arriver hein. Devant toi, devant toi. Surtout, me dis pas qu'il est en bas, mec.
Non. Let's go. Ah, en fait, moi je savais pas que j'avais une crosse sur mon AK-74U en fait. Et je me suis dit c'était ma classe AKU comme d'habitude. Donc je m'attendais vraiment pas. Alors c'est auto-touché. Encore touché. Encore touché. Encore touché à droite. Les deux m'ont rushé, les deux m'ont rushé. Ils sont middle. Let's go. On s'en sort bien, on s'en sort bien, frérot. Il y en a un sur moi qui est one. Il y en a un qui est parti en rouge, je crois. Un mort. Joue tranquille. Tiens des lignes. C'est à eux de venir hein, maintenant, hein, c'est... J'essaie de scope chez nous. J'ai pas d'info. Hein. Ouais. Bah, mets-toi middle, hein, parce qu'on va devoir... Ah, il est au top chez nous. Top chez nous. Il est one. Je l'ai entendu à gauche. Il revient de la droite. C'est win, t'inquiète. Un mort. Bien vu. Il en manque plus qu'un. Bien joué, mec. Let's go. Let's go. Bon, c'est parti. Oui. C'est parti pour une nouvelle fois. Un mort au fond du spawn. Mort. Let's go. Devant moi. Les deux sont sur moi. Mort. Let's go. Oh non, les Akimbo. Oh là là. Fais gaffe, hein, les 19-11, ça monte. Hein. Un mort. Bien joué. Non. Encore un. Il est parti de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Tu l'as touché ou pas? Non, je l'ai pas mis de balle. Le problème, c'est que je sais pas où c'est le truc. Let's go. Bien joué, mon. T'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Mais t'imagines, justement, en solo vs duo ici, c'est juste impossible. Hein. J'ai essayé, hein, mais. À gauche. Je le vois, il est au fond. Touché. Il y en a un qui est au top. Mort. Mort. Bien joué. Putain, on est en train de les éclater, mon gars. Je suis en 9-0. Hein. Allez, go faire le 6-0 pour la beauté. Pour la beauté. Pour le beau jeu. Pour le beau jeu. À droite. Il y en a un qui, il y en a un dans son spawn et un à droite. Oh putain. Ah ouais, ils sont carrément tous. Oh non, dommage. Prends du spawn. Sur moi. Touché. Let's go. Bien joué, mec. GG. J'ai vraiment louché à la fin. Du coup, la finale. Ah ouais, on a le temps. Ah ouais, effectivement, ils viennent de commencer leur truc, en fait. One eternity later. Let's go. Allez, la finale. Tout va se jouer ici, messieurs, dames. Ah, c'est encore Diesel. Oh, mais c'est cool, ça. À mort. Il y en a qui est... Mort. Moi, je l'avais tiré quand même 3 rafales et il voulait pas mourir, quoi. Par contre, je savais pas qu'est-ce qu'on avait comme arme secondaire. La KU. Je reprends la gauche. Je suis à droite, je vois personne. Bien joué. Il est extrême gauche. Derrière la caravane. J'ai vraiment le pire bad timing de tous les temps, genre je le vois, je me suis dit, tu sais, je vais attendre un peu. Ah, ils étaient en train d'attendre, en train de tenir des lignes. Un peu compliqué, là. Je m'attendais pas, en fait, qu'il décale, tu sais, je me suis dit, il va... Oh, putain.
Sur moi. Ouais. À mort. Devant, devant, tu sais. Il y en a un qui était juste en face de moi, il s'est juste à côté de toi. Il est là-bas. Chez nous ? Il est. Ouais, chez nous. Attends-le, attends-le. Hein. On doit jouer avec les points. Tu me dis dès qu'il bouge ou. Je lui disais que j'ai une info. Mort. Allez, 19-11, ça rigole vraiment zéro. Hein. C'est incroyable. À mort. Bien joué. Je suis chez eux là pour le moment, mais je vois personne. Ah, il doit être chez nous, je suppose, hein, parce que je vois personne. Hein. Tu l'entends ? Non, j'ai pas. Attends. Bah, go jouer avec le drapeau, hein. Go jouer avec le drapeau. Vas-y, je vais dessus. Ouais, bah, juste faire gaffe. Let's go. Il attendait que ça, hein, ce fou, hein. Oh non, putain. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Bon, il y a une KSP, donc ça va. En face de moi. Et un derrière moi. Ils sont du côté droit. Ah, t'étais vraiment dans le corner en train d'attendre. Oh là là. Il était vraiment dans le corner, hein, le bougre. Mort. Encore un, encore un. Mort. GG, mec. GG, GG. Ah, ils sont sur moi. À droite. Un mort. J'essaie de couper la rota. J'essaie de couper la peau. Petit, petit, petit. À gauche. Non, let's go. Bien joué, Momi. Et voilà. Hey, let's go, c'est une victoire, messieurs, dames. Let's go. C'est vrai qu'on les a un peu roulés dessus, hein. On a expédié le tournoi. Attends, on va revoir les scores qu'on a fait, mec. Voyons voir. 6-2, 6-3, 6-2, 6-2. Et c'était un viol, hein. C'était un viol. Littéralement parlant, c'était un viol. Nous voici donc pour les récompenses lors des tournois et ce qu'on peut gagner. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut gagner. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre hashtag tournoi dans l'espace des commentaires. Comme ça, je pourrai savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme ça, je pourrai également savoir qui sont les fidèles. Du coup, pour expliquer qu'est-ce que tu gagnes, si tu réalises pour la première fois ce tournoi-là et que tu le gagnes donc la toute première variante du jeu. Ce qui signifie que tu gagnes une AK-47 qui s'appelle Splendeur, qui est franchement magnifique. Toutefois, je vous recommande pas de jouer avec pour deux raisons. La première, c'est qu'ils font en sorte qu'elle ressemble énormément à la AK-74U. Et deuxième des choses, les accessoires sont horribles dessus. En gros, t'as l'impression vraiment de jouer avec une AK-74U qui a moins de dégâts et qui est pas aussi mobile qu'une AK-74U. Du coup, je vous recommande pas forcément de jouer avec. Et si c'est la deuxième fois que tu fais ce tournoi-là, bah en fait, tu vas gagner une variante de la Hour, que je vais vous balancer tout de suite, un screen. Et je trouve que la variante est plutôt assez sympathique. C'est vrai que Treyarch se fout pas trop de notre gueule là-dessus. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye et à la prochaine, autant sur YouTube que sur Twitch. Ciao, ciao tout le monde.